sound. Thank you. Bonjour, good morning. Je suis le directeur de la Norman Patterson School of International Affairs à l'Université Carleton. It is my pleasure to welcome you all to... J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à une autre conférence. Cette conférence. This year's event is a hybrid. L'événement de cette année est hybride, donc c'est formidable que certains puissent être ici en personne au musée de la guerre, alors que d'autres se joignent à nous virtuellement. Félicitations à mon collègue Stephen Seidman et son équipe qui ont pu organiser, offrir cette conférence depuis 7 ans. L'objectif de la conférence est de donner l'occasion aux experts du secteur universitaire et du secteur privé d'avoir des échanges au sujet des défis à l'échelle internationale que rencontreront le gouvernement canadien et nos alliés. Nous avons un programme très intéressant comme d'habitude, les changements organisationnels, la collaboration à l'interne, enfin nationale, la cybersécurité. Je voudrais remercier tous les commanditaires qui ont rendu cette conférence possible, surtout la faculté de l'Université des Affaires publiques de l'Université Carleton, le Conseil des ressources humaines, et tous les autres. Merci et très bonne conférence. Merci et bienvenue. Bonjour, je suis Stephen Seidman, directeur du Réseau canadien de défense et de sécurité et titulaire de la chaire Patterson en affaires internationales à la Norman Patterson School of International Affairs et co-animateur du podcast avec un collègue qui sera des nôtres un peu plus tard. Bienvenue à cette conférence. L'idée est toujours de donner une idée des défis pour le Canada et ses alliés dans un avenir proche. Nous avons traversé une période intéressante depuis un an. Nous avons consulté nos partenaires au sujet des sujets de l'heure et nous sommes ravis d'avoir cette activité en personne et en ligne cette année. C'est une activité hybride. C'est l'une des premières conférences en personne à laquelle je pensais en fait depuis le début de la COVID. Nous espérons que c'est une transition vers la normalité, mais évidemment avec la COVID et tous les variants, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais nous sommes ravis d'avoir cette activité ici aujourd'hui. Nous aurons des participants en ligne et en personne, évidemment, qui pourront poser des questions afin d'avoir une conversation dynamique, pas uniquement par rapport aux défis, mais par rapport à nos réactions à ces défis. Ce n'est pas un secret, cette crise sanitaire mondiale nous a tous touchés de manière profonde et significative. Elle a bouleversé notre façon d'interagir avec nos familles, de travailler, à transformer le gouvernement de toutes sortes de façons, d'abord en sortant l'équipement de protection personnelle jusqu'à l'aide qui a été offerte aux communautés éloignées, aux vaccins et aux multiples vaccins. Donc, le paysage de la sécurité n'a pas fait exception à ces bouleversements. Les forces armées canadiennes ont fait partie du déploiement du vaccin. Ils ont transporté des réfrigérateurs vers le nord du Canada parce que le vaccin Pfizer était très délicat et sensible à la température, aux écarts de température. Nous avons donc tous été touchés par cette crise. Pour l'année à venir, nous nous concentrons sur quelques défis clés que nous avons identifiés avec nos partenaires. Comment répondre aux défis de la Russie, de la Chine et d'autres régimes autoritaires qui ne créent pas une guerre, mais qui ne sont pas non plus en paix. Donc, cette zone grise, comment changer la culture des organisations, y compris comment faire prédominer la démocratie. Alors, évidemment, leurs activités peuvent avoir un effet traumatisant sur nous. Nous aurons deux panels, un qui se concentrera sur les zones grises et le deuxième panel sur la réaction de nos alliés. Nous ne sommes pas les seuls à faire face à ces crises ou ces attaques. Nous aurons aussi une séance sur la culture organisationnelle. Alors, nous parlons d'organisation en général, mais nous en avons certaines plus précises à l'esprit.
Évidemment, les forces armées ont subi une transformation au niveau du leadership dans l'optique des comportements sexuels répréhensibles. On parle beaucoup de changements culturels, changements organisationnels, mais nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit dans les détails. Et donc, nous avons fait appel à un groupe de personnes qui étudient ces choses-là, qui ont des points de vue sur les mesures à prendre pour essayer d'apporter des changements à court et à long terme. Nous avons aussi un panel sur les urgences nationales et comment y réagir. Ce que j'ai appris depuis quelques années qui m'a étonnée, c'est que la compréhension des opérations d'urgence au Canada a été très segmentée. Ceux qui étudient la défense canadienne n'ont pas été exposés, disons, aux autres groupes qui s'intéressent à la défense conventionnelle. Donc, nous réunissons ces deux groupes. General Air, nous précise que ces défis sont de plus en plus grands et nous devons réagir non seulement ponctuellement, mais mieux comprendre, mieux nous préparer, mieux comprendre les défis et essayer de les deviner ceux qui nous attendent à l'avenir, et notamment les changements climatiques, nous en ressentirons les effets. Et l'une des organisations à laquelle nous faisons appel, évidemment, dans ces périodes-là, ce sont les forces armées canadiennes. Nous aurons aussi un panel spécial sur l'islamophobie et la sécurité nationale avec les femmes de couleur, l'Association des femmes de couleur. Nous avons réuni des gens pour voir comment la peur des musulmans, la haine à leur égard, a vraiment porté atteinte à notre sécurité nationale. La sécurité nationale, ce n'est pas uniquement pour les agences gouvernementales, mais pour toute la population canadienne. Nous sommes préoccupés. Nos préoccupations à l'égard du terrorisme ont eu des effets sur le Canada qui ont été assez dévastateurs. Et donc, nous aurons un groupe de discussion qui portera sur ceci. Aujourd'hui, je tiens à remercier le Musée de la guerre d'avoir organisé cette rencontre. Ils n'en ont pas organisé beaucoup là, depuis un an et demi. Je suis très fière de pouvoir offrir cet événement malgré la pandémie. Je voudrais remercier Kara Haji Mohamed, qui est notre coordonnatrice du projet au réseau et qui est la directrice du CSIDS. Elle a fait un travail incroyable en élaborant le programme, en travaillant avec le personnel du musée, nos interprètes. Merci à Melissa Jennings, la directrice des communications, qui est indispensable, qui a fait une bonne promotion de cet événement en amont et qui fera beaucoup de travail par la suite. Nous avons une formidable équipe d'assistants de recherche, Rachel Wallace, Patsa Mayer, Gabriel Roth-Rose, qui ont fait énormément de travail en amont de cette rencontre pour que celle-ci soit fructueuse. Nous sommes très reconnaissants au programme de partenariat du Conseil de recherche en sciences sociales pour le financement de notre personnel, à Carleton pour le financement de nos assistants et étudiants diplômés, au programme MINDS du ministère de la Défense nationale pour le financement de la conférence elle-même. Nous aurons des présentations en personne et de la part de personnes qui se joindront à nous virtuellement, des gens qui ne pouvaient pas être des nôtres aujourd'hui. Notre public sera à la fois ici et en ligne également. Nous essaierons d'inclure les deux auditoires dans la période de questions et réponses. Il y a des micros de chaque côté de la salle pour ceux qui sont présents. Et en ligne, vous pourrez utiliser l'interface pour poser des questions. L'animateur donnera la parole à tous ceux qui souhaitent intervenir. Pour ceux qui ont du mal à nous joindre, n'hésitez pas à nous écrire à info@commercialcdsn-rcds.com si vous avez des problèmes techniques ou si vous avez une question pour nous également. Je ne vais pas suivre la conférence en direct sur Twitter, comme c'est mon habitude, parce que je serai occupée, évidemment, avec vous, mais vous pouvez le faire, vous, en utilisant le mot-clic Year Ahead 2022. Avec l'aide des experts que nous entendrons aujourd'hui, et grâce à l'engagement de ceux qui nous regardent en ligne, nous pourrons échanger des points de vue, partager des recherches, des idées, des stratégies, surtout créer des solutions. Nous espérons que ce programme soit
en ligne et aussi à la télévision éventuellement. Nous tenons à souligner que l'Université Carleton et le musée sont situés sur le territoire algonquin non cédé au Ville-la-Nation Anishinaabe. Nous avons prévu une traduction simultanée en français et en anglais, ainsi qu'un sous-titrage pour les personnes qui nous rejoignent en ligne. Vous avez des récepteurs d'interprétation à l'extérieur de la salle si vous en avez besoin. Si vous rencontrez des problèmes techniques aujourd'hui, veuillez contacter K.A.H.A.J. Mohamed à l'adresse K.A.H.A.H.A.J.I.-Mohamed @commercialcunet.carleton.ca. Enfin, pour ce qui est de la gestion interne, nous sommes toujours en pleine pandémie. Nous devons toujours suivre les protocoles COVID établis et donc vous devez porter un masque lorsque vous n'êtes pas assis à votre place. Vous pouvez vous servir à la table du buffet pendant les pauses. Le déjeuner vous sera servi directement à table. Il n'y aura pas de buffet. Vous pouvez vous lever, évidemment, et circuler, mais portez vos masques lorsque vous le faites, s'il vous plaît, et respectez la distanciation habituelle. J'aimerais maintenant vous présenter le Dr. Leah West, professeure adjointe à la Patterson School of International Affairs de l'Université Carleton. Elle ouvrira la conférence avec le premier de nos deux panels et... Les conférenciers sont d'Europe, donc ils se joindront à nous en ligne. Je suis impatiente de les entendre sur les défis juridiques posés par la zone grise. Merci. Lia, à vous. Bonjour. Alors, les voilà. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous expliquer la terminologie, la zone grise, on parle de stratégie, de guerre, etc. Mais quand on parle de zone grise en termes juridiques, on parle des activités sous le seuil de l'utilisation de la force, qui ne sont donc pas régies par les règles de l'utilisation de la force ou des conflits armés. Ils ne sont pas régies par le droit humanitaire, ou le droit de la guerre. Ce sont des activités qui créent beaucoup de perturbations, des conséquences graves, mais qui ne sont pas régies par ces lois que nous associons typiquement avec des actions menant à cette grande capacité de destruction. Alors, il y a des traités, évidemment, dont nous pouvons nous inspirer, ainsi que le droit coutumier international. Les opérations en deçà de cette zone grise font l'objet toujours de beaucoup de discussions. Pour explorer cette zone et ces débats, je me trouve en compagnie de grands experts mondiaux en droit international. D'abord, le Dr. François Delerue, qui est chercheur principal en gouvernance à la cybersécurité de l'Institut de sécurité d'affaires mondiales de l'Université de Leiden et chef d'équipe en droit international pour le projet Cyberdirect Union européenne. Il est également membre associé du programme de l'AE pour les normes cybernétiques. Auparavant, il a travaillé comme chercheur en cyberdéfense et en droit international à l'Institut de recherche stratégique et de l'École militaire de Paris. Son livre, intitulé « Cyber Operations and International Law », a été publié par Cambridge University depuis février 2020 et je l'ai toujours à portée de la main. Ensuite, le Dr. Asaf Lubin, professeur agrégé de droit à la faculté de droit Moore de l'Université de l'Indiana et membre du Center for Applied Cybersecurity Research. Il est également affilié au projet de société de l'information à la faculté de droit de Yale, associé à la faculté de Brinkman Klein Center for Internet and Society de l'Université de Harvard et chercheur invité au Federman Cybersecurity Research Center de l'Université hébraïque de Jérusalem. Les recherches de M. Lubin sont centrées sur l'intersection du droit et de la technologie, notamment en ce qui concerne la réglementation des dommages, des responsabilités, des assurances en matière de cybersécurité, ainsi que la conception de politiques relatives à la surveillance des gouvernements et des entreprises, à la protection des données, à la gouvernance de l'Internet. Ses travaux s'appuient sur son expérience ainsi que sa grande compétence en droit de la sécurité nationale et de politique étrangère.
Ensuite, nous avons le Dr. Eliza Wundt, dont la recherche porte sur le cyberdroit et les droits de l'homme. Elle est l'auteur d'un livre intitulé « State-Sponsored Cyber Surveillance, The Right to Privacy of Communications and International Law ». Elle a récemment écrit... ses travaux ont été publiés dans un certain nombre de revues, comités de lecture et d'autres publications, notamment portant sur la technologie des communications. Elle est avocate, elle est conférencière invitée au College of Information and Cyberspace, National Defense University de Washington, D.C., et elle est avocate au Royaume-Uni. Donc voilà, aujourd'hui, plutôt que de présenter des allocutions, nous ferons les choses un peu différemment. Je vais leur poser une série de questions qu'ils ont préparées et nous allons créer le dialogue à partir de cela pour ensuite passer à des questions et réponses plus générales. Pour que les interactions soient plus dynamiques et parce que je vais avoir une discussion avec eux sur les autorités en zone grise, en espérant vraiment qu'ils viendront à Ottawa un jour. Donc, pour lancer la discussion, nous allons commencer par le professeur Lubin. J'ai une question pour vous. Pourquoi les États devraient-ils se préoccuper de la façon dont le droit international puisse régir les opérations en deçà du seuil de la zone grise? Est-ce que les lois peuvent être un élément de dissuasion et faut-il se préoccuper de dissuader ces actions et ces interventions? À vous, professeur Lubin. Merci beaucoup, Léa, de cette généreuse présentation. Merci de m'avoir invité à prendre la parole ici aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas être avec vous. Je suis à New York, en fait, mais je ne voulais pas rater cette occasion. Donc, je suis en train de célébrer notre anniversaire de mariage, mais ma partenaire me pardonne de ne pas être avec elle aujourd'hui et d'être ici. Donc, ce sujet est important par son opportunité. En fait, il est très opportun. Nous nous sommes rendus compte depuis quelques années que les outils cybernétiques sont de plus en plus nombreux et remplacent les techniques de guerre matérielles du passé. Et donc, on compte sur les opérations cybernétiques maintenant pour recueillir de l'information sur nos adversaires, pour envoyer des signaux et pour créer un environnement secret, pas un environnement public, où les messages se croisent et divers intérêts politiques sont réalisés. C'est dans cet espace qu'il faut poser la question de savoir ce qu'il faut dissuader. Le cas échéant, c'est la question que vous avez posée. Pour l'auditoire, je voudrais proposer quelque chose qui a été proposé par Sibyl Greenberg et qui a été en fait une lettre au rédacteur dans le New York Times. Et donc, elle, dans cet article, elle dit que tout ce qui constitue les cyberguerres n'est pas nécessairement répréhensible. Elle donne l'exemple de l'attaque israélienne sur le réacteur nucléaire en Syrie il y a quelques années, en 2007, où les allégations veulent que 10 scientifiques de Corée du Nord ont été tués. Elle compare cela à l'incident Stuxnet, qui, du point de vue juridique, peut ouvrir beaucoup de portes. Le Stuxnet est en deçà ou au-dessus du seuil de la zone grise. C'est un problème de ce seuil, d'ailleurs, qui est mal défini, mais elle donne l'exemple de cela pour dire, bon, on voulait réaliser les objectifs politiques. L'Israël et les États-Unis ont pu nuire au laboratoire d'enrichissement nucléaire de la Syrie sans tuer qui que ce soit. Donc, dans la mesure où cela nous permet d'atteindre certains objectifs politiques, dans ce cas-ci, la non-prolifération, sans entraîner de conséquences kinétiques, pourrait être positif, pas nécessairement négatif. Et donc, la question qu'il faut tous se poser, c'est où tirer la ligne des éléments dissuasifs dans cette zone sous le seuil et quelles sont les activités que nous voulons dissuader et que nous voulons réglementer.
Donc, nous voulons de la réglementation pour entraîner cet effet dissuasif comparé à d'autres activités qu'on ne veut pas limiter et, en fait, qu'on veut plutôt encourager chez les différents États. C'est tout le défi pour les États. Les États ont pu plus facilement réglementer l'espace dont on dit qu'il est au-dessus du seuil parce qu'il est plus facile d'interdire le recours à la guerre et faire appliquer cette interdiction. Mais quand on passe à des activités qui sont dans cet espace de non-intervention, dans cette zone de souveraineté et d'infraction, c'est exactement là où la réglementation devient plus difficile, car on ne veut pas jeter un filet trop large pour surcapter des choses qu'on ne veut pas nécessairement dissuader. Donc, voilà la première partie de la réponse que je voulais offrir. Une deuxième partie, même si nous voulions aller de l'avant et avoir ce type de conversation, il y aurait beaucoup d'éléments qui rendraient la réglementation difficile. D'abord, la notion de reddition de compte dans un espace où l'attribution est très difficile et donc nos règles d'attribution qui nous accompagnent depuis des décennies n'ont peut-être pas franchi le seuil de l'univers numérique où l'attribution peut être augmentée par différents outils et par différentes techniques. Par ailleurs, le cyberespace est aussi un espace qui permet de passer d'acteurs étatiques comme acteurs primaires à des acteurs non étatiques qui ont les mêmes accès, les mêmes capacités que certains acteurs étatiques. Par exemple, les grandes sociétés internationales, d'une part, mais aussi des gangs de criminels. Et donc, comment réglementer ces deux types d'acteurs dans cette zone? Le troisième enjeu est celui des conséquences inattendues, des conséquences non voulues. Les espaces cybernétiques ont plus de possibilités de débordement et d'entraînement de conséquences non souhaitées. Et donc, ce qui était présumément une opération non kinétique pourrait devenir kinétique si nous utilisons mal les outils de façon imprudente ou sans en mesurer les conséquences. Le dernier aspect, c'est l'aspect secret. Les opérations cybernétiques passent par des renseignements très confidentiels, évidemment. Les activités ne sont pas divulguées au public. Il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas assujetties à la transparence. Et donc, comment composer avec cette zone? Avec cet espace qui fait appel à toutes sortes de règles secondaires, des règles sur les agences, les organismes de réglementation eux-mêmes, sur qui nous n'avons aucun contrôle. Voilà, je m'arrête là. Je pense que j'ai donné assez d'idées provocatrices pour alimenter la conversation. Alors, je vous ai vu hocher de la tête par rapport à la question d'attribution, professeur Delarue ou professeur Watkins, mais je donne la parole au professeur Delarue d'abord. Good morning, good afternoon here in Europe. Thank you very much for the invitation. I just wanted to say at the beginning in French. Je voulais dire au début en français. De m'avoir proposé de parler en français. J'ai préféré faire la discussion en anglais pour pouvoir permettre une meilleure fluidité du dialogue avec les autres intervenants. Mais merci beaucoup pour cette opportunité. So thank you very much. Alors merci. Maintenant je vais retourner vers l'anglais. Bon, je pense à cette première question. Quels sont les plus grands enjeux, notamment par rapport à l'attribution? Un des enjeux, c'est que nous avons toute une série d'outils qui ont été élaborés par le passé. Nous tentons de les adapter à ce contexte. Mais la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est que nous tentons de trouver des réponses à des questions qui ne sont pas des questions juridiques. Et pour moi, c'est une des plus grandes questions que nous avons avec la dimension cyber présentement. Alors, on va lire, entre autres, dans des documents universitaires, c'est qu'on n'a pas toujours les réponses. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il ne s'agit pas de questions juridiques. Revenons à la question de l'attribution. Nous en avons parlé auparavant. Nous avons tous eu ce débat.
on ne peut pas attribuer, parce que le droit ne nous permet pas d'attribuer un acte, un geste à tel état ou à un autre. Alors, je trouve que c'est intéressant de poser cette question, à savoir qu'il y a des règles différentes. Et nous y reviendrons à toute cette question, mais il y a des règles différentes qui s'appliquent. Par contre, ce peut-être pas des règles qui sont satisfaisantes et qui nous donneraient une réponse satisfaisante. Alors la question est la suivante, est-ce que le droit nous donne une réponse satisfaisante? Peut-être que la réponse est à l'extérieur du contexte juridique. Merci beaucoup de votre invitation, très intéressant comme discussion. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Moi, j'ai deux points que j'aimerais soulever. Tout d'abord, comment le droit international fonctionne sous le seuil? Bien, il faudrait tout d'abord établir quel est le seuil que nous allons utiliser pour évaluer une opération en particulier. Est-ce qu'on parle du seuil qui s'applique à, par exemple, les principes généraux du droit international, par exemple, la souveraineté. Donc, ce n'est pas très bien défini dans le droit international, à savoir qu'est-ce qui se trouve sous le seuil des opérations. Je voulais en parler de toute façon plus tard, là, dans mon exposé. Alors, je vais revenir à ce qu'a dit Assaf plus tôt. L'attribution, c'est une grande préoccupation et un des aspects les plus importants du droit international présentement, à savoir comment pouvons-nous légalement pouvoir attribuer l'action d'un EPAR ou d'une partie interposée afin plutôt de pouvoir répondre. Et encore une fois, ma présentation portera sur cette question. Et j'espère vous offrir davantage de détails. Donc, j'ai préparé des diapositives et ma présentation est plus structurée. J'espère que je vais pouvoir utiliser cette plateforme et je me réjouis de pouvoir parler de toute cette question de l'attribution. Alors, je ne vais tout simplement pas me répéter présentement. Lorsque viendra ma présentation, tout cela sera beaucoup plus transparent. Et une autre question pour le professeur Delarue, à moins qu'il y ait quelqu'un qui aimerait intervenir. Monsieur Delarue, est-ce que des actes dommageables en cybersécurité sont-ils plus dommageables plutôt que des gestes dans le monde réel? Pourquoi est-ce que la communauté internationale a des difficultés pour préciser comment la loi s'applique dans le cyberespace? Bon, je pense que vous allez probablement nous en dire un peu plus sur ce que vous nous avez dit déjà. Merci beaucoup, Léa. Oui, il y a tellement de choses que l'on aimerait dire pour la première question. Par contre, on ne veut pas en dire trop. Voici ce qui est très intéressant avec ces deux questions. Et je vais commencer avec la deuxième question que vous posez. Et moi, ça fait partie de la question. Y a-t-il vraiment des difficultés pour essayer d'établir le cadre juridique de la cyberespace? Alors, en 1999, il y a eu des discussions à cet égard, mais au cours des 22 années, il y a eu des débats très dynamiques, on a créé des groupes de travail, mais comme des avocats à l'international, ils ont eu 22 années pour avoir ce genre de débat, à savoir si on peut avoir une discussion sur les normes. Je ne sais pas si on a vu, par exemple, le même genre de démarche lorsqu'on en a tenté d'établir des traités. Alors, j'aime toujours pouvoir en parler de ces questions parce que les étudiants nous posent ce genre de questions. Ils nous disent, oui, mais comparé à la sécurité internationale et la communauté internationale, on parle d'une période de temps qui est très courte. Et je voulais parler d'un des échecs, et c'est très important dans notre discussion, c'est-à-dire qu'aux Nations Unies, il y a eu un comité sur la sécurité
il s'agit d'un comité de groupe de spécialistes qui vont se rencontrer et se pencher sur ces questions. Mais d'un côté, il y a un échec, parce qu'une des questions que l'on voit souvent sur ce qui a été dit, c'est qu'il y a un groupe d'États, donc la Russie, la Chine et le Cuba, ont bloqué le rapport parce qu'ils ne voulaient pas que le rapport final soit utilisé comme autodéfense, parce que cela, ce serait vraiment une justification pour la militarisation du cyberespace. Moi, je suis en désaccord avec cette proposition, bien que c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans la littérature. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment tout cela a été perçu. Parce que cela est à l'encontre du cadre international. Mais ce qui est clair de toutes les discussions et de ce qu'il y a eu comme suivi, c'est qu'il n'y a ce n'était pas une contestation du droit international. Et c'est aussi très important de cadrer notre discussion. On ne disait pas qu'il ne voulait pas que la loi internationale s'applique. Il ne voulait pas que cette section du droit international soit détaillée dans le rapport. Ils ont fait notamment toutes sortes d'arguments. Donc, pour moi, c'est un autre point pour dire que oui, il y a des difficultés à définir le cadre juridique, mais il y a aussi beaucoup de difficultés, des échecs qui sont peut-être associés au contexte politique, à savoir où ont lieu ces discussions. Nous avons donc un débat très dynamique. C'est une des choses que l'on peut dire aux Nations Unies. On était très dynamique. Toutes les organisations se penchent sur le cyberespace. Il y a des questions qui sont soulevées partout. Et maintenant, il y a certains États qui ont publié des stratégies par rapport au cyberespace. Les Nations Unies, cet été, a publié un compendium des 15 États par rapport au cyberespace. Donc, je crois effectivement qu'il y a des difficultés, mais il y a également beaucoup de dynamisme. Et nous le voyons, nous voyons que c'est un peu qu'un iceberg. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Ce que nous constatons des discussions dans les journaux et ainsi de suite, c'est la convergence. Sur certains points, il y a de la divergence, notamment sur la souveraineté, mais il y a beaucoup de convergence aussi. Il n'y a pas contestation du droit international de façon générale. Il y a peut-être du débat sur les interprétations, notamment au Royaume-Uni, mais on n'a pas de contestation de différentes sections du droit international. Alors ça, je trouve intéressant. Ce qui m'amène à la dernière question, à savoir pourquoi les États et pourquoi les démarches sont-elles différentes au niveau du cyberespace? Lorsque l'on pense aux règles et cette question de difficulté, pourquoi devons-nous les définir alors que l'on parle du cyberespace, alors qu'on n'en a pas parlé à l'extérieur du cyberespace? Par exemple, il y a des traités et d'autres règles, mais un État ne devrait pas violer le territoire de d'autres États. Mais on n'a jamais vraiment défini ce que l'air voulait dire. On n'a jamais regardé les traités pour dire, écoutez, s'il y a un pas dans l'autre territoire, est-ce que c'est une violation? C'est une autre chose que je trouve particulièrement intéressante. En cyberespace, nous sommes évidemment des universitaires et on aime bien avoir ces débats, mais on veut vraiment définir tout très clairement. Alors, il y a l'article 2.4 d'un certain traité dans lequel on dit, d'accord, vous ne devriez pas utiliser la force entre les États, mais on n'a jamais vraiment défini ce que c'est la force. Et ensuite, nous avons ce débat dans le cyberespace pour dire, pour tirer cette ligne rouge, pour dire qu'au-delà de là, il y aurait violation. Ce qui me mène à poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut avoir ce genre de précision dans le cyberespace? Et la raison, c'est que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, des situations exceptionnelles dans l'utilisation des règles. C'est que maintenant, nous sommes dans une expérience quotidienne. Par exemple, un avion militaire qui va dans la frontière de notre pays, ça ne se passe
pas tous les jours. Et donc, la violation du cyberespace, ce n'est pas ce que l'on voit tous les jours. Une violation territoriale, c'est peut-être quelque chose qui se passe 2 ou 3 fois par année, peut-être plus, mais pas si souvent que cela. Mais dans le cyberespace, il se passe une violation tous les jours, violation des droits du droit international. Il y a plein d'exemples. Et je crois que c'est là où c'est très intéressant de voir quelle est la différence. C'est-à-dire que nous avons tendance d'utiliser un cadre juridique qui a été élaboré pour l'appliquer à quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans une situation où c'est une expérience quotidienne et on s'attend à avoir des règles qui sont plus définies. Mais le système international juridique n'a pas été bâti en fonction de cela. Mon dernier point, là où il y a beaucoup de changements, c'est la ligne entre un acte international. Eh bien, c'est beaucoup plus flou dans le cyberespace. Olivier Corton a écrit un excellent livre. Donc, dans son livre, il utilise des exemples, à savoir quelle est une opération policière et qu'est-ce que c'est l'utilisation de la force. C'est difficile de voir où tirer la ligne entre les deux. Mais il y a encore des zones floues. Il y a beaucoup d'opérations policières qui pourraient, par exemple, violer le droit international, par exemple, la souveraineté. Par exemple, dans les traités, les différents États pourraient aller chercher des données ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons cette grande question aujourd'hui, à savoir quelle est la différence pour l'espace, le cyberespace, et pourquoi avons-nous besoin de définir le cadre juridique. Donc, voici, c'est qu'il y a tellement de questions qui se posent. Alors, on peut parler ici de la violation par la police, le militaire et ainsi de suite. Alors, je crois que cela fait en sorte qu'il y a beaucoup de questions. Voilà ma réponse à ces deux questions. Non, c'est génial, merci. Alors, professeur Delarue a indiqué que plusieurs États ont fait des déclarations publiques à savoir comment ils interprètent le droit international, notamment pour ce qui est de la souveraineté et aussi des opérations sous le seuil. C'est très important de comprendre comment nos lois domestiques nationales sont interprétées parce que au Canada, contrairement à tous ses alliés, n'a pas émis une telle déclaration. Je n'ai aucune idée. Comme quelqu'un qui étudie le droit national et de sécurité et aussi à l'international, je ne sais pas comment on peut interpréter la loi par rapport au cyberespace et quelles sont les limites. Alors, s'il y a quelqu'un qui travaille aux Affaires mondiales Canada, vous pouvez poser la question parce que j'attends encore la réponse. Alors, professeur Lubin, je sais qu'un de vos domaines d'intérêt, c'est la question des logiciels malveillants. Et nous parlons des choses qui sont différentes et pourquoi cela devrait nous intéresser. Et je crois justement que les logiciels malveillants, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Ce n'est plus exceptionnel. Laissez-moi tout d'abord dire que... Alors, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit le professeur Delarue. Et ça met en lumière les défis que l'on a pour tenter de réglementer une cible qui est en évolution comme le cyberespace, notamment parce qu'on tente de maintenir la flexibilité, la liberté pour faire certaines choses et pas d'autres. Et le défi, c'est comment pouvoir tirer une ligne entre les choses que l'on veut promouvoir et les choses que l'on ne veut pas promouvoir. Les logiciels malveillants, eh bien, il ne devrait pas y avoir de dilemme. Ce sont des acteurs privés qui s'engagent essentiellement dans le rapt de données et on demande justement une rançon pour libérer ces données. Et maintenant, c'est une nouvelle version du logiciel malveillant. Ils disent que si vous ne payez pas l'argent, ils vont rendre ces données publiques en ligne. Alors, les logiciels malveillants, c'est peut-être la 4e génération de ce que les avocats internationaux ont qualifié « humanas generis ».
c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui s'engagent dans des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas différent, peut-être, que les esclavagistes ou les pirates auparavant, ou encore ceux qui faisaient du détournement des avions, ou des terroristes, ou des crimes internationaux, transnationaux. Dans tous ces cas, on crée des régimes de traités qui, dans certains cas, on établit des juridictions et qui exigent que les États collaborent et partagent des renseignements. Et de cette façon, on veut s'assurer à ce que ces personnes ne soient pas vues comme des personnes qui peuvent avoir des refuges sûrs dans leurs États. Du côté des logiciels malveillants, nous n'avons pas vu le même genre de transition. De fait, les États hésitent à utiliser les règles juridiques au niveau national et international. L'administration Biden a fait une déclaration et on a dénoncé aux États-Unis l'utilisation des logiciels malveillants par la Russie. On a dit qu'il devrait y avoir certaines activités qui ne devraient pas être acceptables. Notamment, on a parlé des infrastructures critiques contre lesquelles on devrait interdire ces logiciels malveillants. Mais ailleurs, on dit que oui, mais dans d'autres cas, c'est accepté. Et ça, c'est le problème, que les rançongiciels, ce n'est pas acceptable. Pourquoi est-ce que c'est acceptable dans certains cas et pas dans d'autres? Eh bien, même pour quelqu'un d'aussi, pour quelque chose d'aussi clair pour moi, on n'arrive pas à en avoir une entente internationale. Et je pense que c'est comme cela que l'on voit les défis auxquels ont été confrontés les États pour en arriver à une entente par rapport aux rançongiciels. Mais je pense que les rançongiciels sont une bonne représentation de ce dont on parle. Et maintenant, la Dr. Watt, à votre avis, comment devrions-nous tenir les États responsables pour des actes répréhensibles au niveau du cyberespace? Et à quoi ça pourrait ressembler? Je sais que vous avez une diapositive que vous aimeriez partager. De fait, je crois que vous êtes en sourdine, docteur. Alors, je dois préparer la réponse. De fait, je vais vous présenter une diapositive parce que ça me permet de me concentrer. Et ça va me permettre d'organiser mes réflexions. Donc, si vous voulez attendre un instant, de fait, je vais vous présenter mon point de vue par rapport à cette question. Cette question, à savoir la responsabilité des États pour des actes, des méfaits à l'international en fonction du contexte et certains manques de cohérence et aussi toute la question, une série de questions. Yes, thank you. So, as we have actually noted from the very... Alors, comme on l'a noté dès le début, c'est très difficile de donner une définition avec certitude ce qui se passe en dessous du seuil du côté des opérations cybernétiques. De mon point de vue, ces opérations ne sont pas gérées par la règle 69 du manuel de Tallinn qui dit que le recours à la force, les opérations cybernétiques où il y a recours à la force sont semblables aux opérations kinétiques. Donc, il n'y a pas de dommages physiques ou de blessures et ça ne donne pas comme résultat la perte d'infrastructures cybernétiques avec finalité. Alors, quand je pense aux événements récents dans le domaine, ça comprend ce que Asaf a mentionné, beaucoup d'attaques de rançongiciel. Et les logiciels de Pegasus. Alors, ces opérations sont de la responsabilité des États. Il y a un principe où si un État commet un acte
dommageant vers les autres, la responsabilité est établie. Et donc, un de ces actes est une violation de loi de traité, du droit coutumier et d'autres lois. Et ça, on doit pouvoir l'attribuer à l'État en vertu du droit international. Quand on pense aux opérations cybernétiques, ceci serait un acte dommageable si c'est en contradiction avec les principes du droit international et quand ils peuvent être attribués à l'État en cause. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? On sait que pour qu'on puisse tenir un État responsable pour les dommages qui résultent de l'activité et pour pouvoir répondre en vertu des paramètres juridiques, donc les réponses fournies par la loi, il est nécessaire qu'une opération puisse être attribuée à l'État. Et donc la question de l'attribution est très simple. C'est simple parce que c'est l'intention d'identifier l'auteur, mais en termes réels, c'est très difficile de le faire parce qu'on cherche à attribuer une cyberactivité à quelqu'un quand l'auteur peut évidemment se cacher son identité ou l'attaque cybernétique a ses origines de multiples endroits où c'est effectué par un grand nombre de joueurs. Alors, quand on pense aux attributions, il y a trois types d'attributions. Il y a une de fait, une attribution technique et il y a l'attribution juridique. Alors, pour nos fins, pour qu'on puisse tenir responsable un État pour ses actes répréhensibles, c'est l'attribution légale. Ça signifie que l'auteur de l'acte répréhensible peut être tenu responsable en vertu du droit international. Et ça nous permet de comprendre quels redressements, quels recours sont disponibles aux États victimes. Par exemple, ça comprend des choses comme des contre-mesures et aussi sont le résultat suite aux actes d'extorsion, par exemple. Les contre-mesures sont des actions qui seraient illégales autrement, mais c'est quelque chose qui cherche à viser à obtenir que l'État cesse son comportement illégal. Et on peut seulement le faire si la cyberattaque est une action, un acte répréhensible en vertu du droit international. Et donc, ça ne peut pas être fait si c'est fait par un agent et ça ne peut pas être attribué à l'État. Donc, il y a différents recours pour l'État. Par exemple, des mesures compensatoires ou pas nécessairement des cybermesures. Par exemple, fermer l'espace aérien en contrepartie. Alors, on a déjà parlé du processus onusien et on a dit qu'il y a un consensus qui a été mis au point que le droit international est applicable en cyberespace. Le rapport de 2013 a mentionné le principe de la responsabilité étatique. Le rapport de 2015 a créé 11 normes qui ne sont pas contraignantes, y compris la norme 13 qui traite de l'attribution, mais de façon très générale. Et ensuite, on arrive au rapport de 2021 qui est allé plus loin pour donner des détails sur ces normes, y compris l'attribution. Et un aspect très intéressant, c'est que le rapport a dit que l'indication que l'activité a été lancée de l'infrastructure du territoire de l'État est insuffisante pour faire l'attribution à l'État. Donc, on sait que le processus diplomatique n'est pas cohérent. Et en parallèle avec ce rapport onusien, on a le rapport du groupe de travail ouvert qui n'a pas abordé la question de l'attribution. Mais il y aura peut-être un suivi de cela en 2025. Et comme on a déjà noté aujourd'hui, de nombreux États ont commencé à décrire leur propre position quant à comment le droit international s'applique aux cyberopérations. Et plusieurs d'entre elles ont confirmé que les opérations cybernétiques malicieuses vont déclencher l'attribution.
Alors, il y a eu des rapports entre 2012 et 2021 qui ont mis l'accent sur les questions de l'attribution. Et même si l'utilisation va varier, ils sont tous tombés d'accord que les droits coutumiers ou les règles coutumières des États, telles qu'articulées par la Commission internationale sur la responsabilité de l'État, sont applicables dans ce contexte. Alors, de façon générale, les articles qui concernent la responsabilité étatique donnent plusieurs règlements. Premièrement, tout comportement répréhensible attribuable à un acteur étatique serait régi par l'État en question. Et au contraire, le comportement d'acteurs non étatiques ne peut pas être attribué à l'État en cause, sauf si ça fait partie des exceptions décrites dans les articles. Donc, quand on pense au comportement des acteurs étatiques, la situation est assez claire parce que ça serait des organes qui ont exercent certains pouvoirs étatiques ou législatifs. Et quand on y pense dans le domaine cybernétique, le manuel Tallinn, dans sa règle 15, dit plus ou moins la même chose en disant qu'un comportement par une institution étatique ou une personne ou une organisation étatique décrite en droit international serait identifiée. Par exemple, les agences de renseignement, les agences frontalières, alors toutes ces actions-là seraient attribuables à un État. Par exemple, les activités du NSA et du DSHQ aux États-Unis. Et c'est plus difficile d'attribuer à un acteur non étatique. Donc, les activités des acteurs non étatiques ne peuvent pas être attribuées aux États, à l'exception des exceptions dans la loi qui concerne la responsabilité, surtout si l'acteur agit sur l'instruction ou la direction ou le contrôle de l'État et si l'action est ensuite reconnue par un État ou elle adapte ce comportement. Alors, l'idée de contrôle et l'instruction a été développé plus loin par le Tribunal de justice internationale en tant que contrôle effectif et ça aussi a été ajouté pour les cyberactivités par le manuel de Tallinn dans sa règle 17 qui parle de l'attribution des agents qui serait établi quand on a des acteurs non étatiques qui s'engagent suite à l'instruction de l'État ou sous sa direction et son contrôle, ou quand l'État reconnaît les opérations comme étant les siennes. Alors, quand on pense du contrôle d'une opération cybernétique par un agent, il y a une dualité. Premièrement, un État doit déterminer l'exécution et le cours d'une opération, et ensuite, cette opération-là, cette cyberopération doit être un élément intégral de cette opération. Et voici ce qui nous amène certaines difficultés, parce que, en droit international, quel est le degré de contrôle qui doit être exercé par l'État pour qu'on puisse attribuer l'action d'un agent à cet État? Parce que ce degré de contrôle semble varier dans différents interprétation. Ici, j'ai trois exemples. Par exemple, pour l'Allemagne, dans son énoncé de politique 2021, dit que le degré de contrôle doit être suffisant, donc d'une intensité suffisante de contrôle. Donc, l'État ne doit pas faire la micro-gestion d'une activité cybernétique et ne doit pas surveiller tous les éléments techniques de l'opération. Et ça, c'est en contraste avec ce que font les Pays-Bas, qui disent que le degré de contrôle doit être élevé et le financement d'une opération ne suffit pas pour l'attribution. Et les États-Unis vont tergiverser parce qu'ils disent que là où le
l'État a pu accumuler de l'information suffisante par n'importe quel moyen, que ce soit technique ou non, ça constitue l'attribution et ça donne le droit à l'État d'avoir d'exiger des redressements. Il y a aussi le fardeau de la norme du fardeau de la preuve, parce que il semble qu'on doit pouvoir répondre à ce critère pour deux raisons. Pour déterminer les réactions éventuelles, y compris le droit d'avoir recours aux contre-mesures. Et deuxièmement, de faire, si un État le choisit, d'initier des litiges contre l'État. Ça, c'est en contraste avec le point de vue américain, où ce n'est pas nécessaire de se conformer aux critères du fardeau de du norme de la preuve. C'est seulement nécessaire si l'État veut lancer des poursuites contre l'État. Alors, on n'a pas de critères objectifs en vertu du droit quant au niveau de cette norme auquel un État doit se conformer pour pouvoir avoir recours à ce redressement. Mais ça a toujours été un problème parce que dans les litiges entre les États, il n'y a pas cette norme. On sait que dans le contexte des activités cybernétiques, le fardeau de la preuve, selon le point de vue des universitaires, fait partie des droits de l'État victime. Mais la norme de la preuve dit que ça ne doit pas nécessairement aller satisfaire le critère du doute raisonnable. Ce n'est pas un cas prima facie, c'est entre les deux. Ou bien ça doit être élevé ou ça doit être moyen avec de la preuve contraignante ou la prépondérance de la preuve. Et enfin, un État qui envisage prendre des contre-mesures doit agir comme un État raisonnable agirait dans les circonstances. Est-ce que je peux avoir la dernière diapositive? Donc, pour répondre à cette question de comment on peut tenir un État responsable pour des actes répréhensibles internationaux dans le contexte d'être sous le seuil des opérations, on doit pouvoir attribuer la responsabilité à l'État. Donc, ça doit être à un organe ou un agent d'un État où ces opérations sont effectuées suite aux instructions de l'État ou sous sa direction ou son contrôle. Mais on ne connaît pas le degré de contrôle nécessaire. Il devrait être élevé selon certains États. Ça devrait être suffisant pour d'autres États. Et là où l'État reconnaît les opérations et les reconnaît comme étant les leurs. Pour les fins de litige entre les États, l'État doit satisfaire la norme du fardeau de la preuve et c'est toujours l'État en question qui a ce fardeau et ça doit être soit élevé ou intermédiaire selon la preuve contraignante ou sa prépondérance. Donc voilà, je crois avoir répondu aux questions qu'on m'a posées. Merci, Dr. Watt. Je crois que vous avez soulevé des points très intéressants. Je crois qu'on est tous habitués à voir des États qui vont attribuer des attaques à d'autres États. Par exemple, l'OTAN a même attribué une attaque à la Chine. Mais ce qu'on ne voit pas dans ces déclarations-là, c'est premièrement, quelle est la preuve qui va appuyer cette attribution. Et on ne voit presque jamais quel principe juridique ou quel droit a été brimé par ces énoncés ou ces déclarations. On voit une déclaration qui dit « cet acte, qui est une mauvaise action, sans indiquer quelle règle juridique a été violée, cet acte a été commis par un certain État. Il n'y a pas de preuve et on ne dit jamais pourquoi on pense que c'est un acte répréhensible. Donc, on a cette attribution politique mentionnée par Dr. Watt, mais on n'a pas l'attribution technique ou juridique dans ces déclarations. Alors maintenant, je vous adresse tous la parole et j'aimerais poser la question. Vu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, quant à la lenteur de faire tout cela,
les choses exceptionnelles deviennent quotidiennes. Est-ce que cette idée d'être sous le seuil, ou comme on dit en culture populaire, la zone grise, est-ce que ce concept est utile quand on parle de droit et de réglementation? Si oui, est-ce que vous pensez que ce concept pourrait être utile, ou est-ce que vous envisagez une façon différente de catégoriser ce dont on parle pour qu'on puisse avancer et arriver à une meilleure réglementation? Alors, je vais demander au professeur Lubin d'intervenir. Oui, je crois que ça serait utile pour faire un lien entre ce dont on parle et les choses qui ont lieu de façon régulière. Et je crois qu'on peut s'inspirer de la réglementation qui concerne les choses qui arrivent au-dessus du niveau du seuil, où il y a un énorme nombre de catégories, par exemple allant du recours à la force ou des attaques qui génèrent des réactions défensives et d'autres. Donc il y a beaucoup d'exercices de création de catégories qui se passent en dehors de la zone grise, et en partie parce que les États ont hésité à le faire jusqu'à présent, c'est qu'on devrait faire l'exercice dans la zone grise pour distinguer entre les actes d'intervention qui sont légaux et qui ne sont illégaux, pour distinguer entre ce que le professeur Delarue a appelé, il a dit, un pied dans le territoire, ça ne compte pas, mais deux pieds, oui. Alors moi, je dirais, parce que c'est ma passion de présenter cet argument, c'est que la raison pour laquelle on a hésité à le faire, c'est à cause de l'intersectionnalité entre l'espionnage et tout ce dont on parle. Les États ont hésité à fixer des règles ou des normes pour les opérations du renseignement et préfèrent en traiter comme activité en dehors du domaine du droit. Mais on ne peut pas éviter de créer des règles pour ce domaine, parce que beaucoup de ces cyberactivités sont liées à la collecte de renseignements ou qui frôlent l'illégalité avec le premier pas d'une action de collecte de renseignements. Alors, est-ce qu'un groupe NSO est acceptable ou non en droit international, la privatisation des activités de renseignement? Et on n'a pas établi des normes et des règles pour cela, et je crois que le moment est arrivé pour le faire. Et je vais vous parler de mon livre qui va paraître à Oxford University Press, où j'essaie de donner des détails sur la forme que pourrait prendre ce cadre international. Professeur Delarue. Alors, la distinction entre ce qui est au-dessus du seuil et sous le seuil, c'est quelque chose d'historique. Moi, je suis dans une ville et à 10 km de nous, c'est là que Grotius est né. Donc, cette distinction est pertinente. Alors, on parle de deux types de situations très différents. Au-dessus du seuil, il y a cette distinction avec, d'un côté, le recours à la force, comment c'est réglementé, et aussi la loi sur les conflits. Et je crois que c'est très utile du côté de la loi sur les conflits, qui ne doit pas être assimilée au reste. C'est une loi très précise qui a une philosophie fondamentale qui est très particulière et des objectifs très particuliers. Voilà pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Et si on passe en dessous du seuil, je crois que c'est peut-être pas la bonne démarche de dire que ce n'est pas applicable. Et ce qui a été dit ici, c'est beaucoup plus gris quant à ce qui se passe sous le seuil. Et c'est là où on doit s'engager dans une réflexion plus approfondie. Une partie de la difficulté, c'est parce que ce qu'on voit du côté du domaine cybernétique,
c'est lié à la question, vous avez dit par le passé, si la question était sous le seuil, c'était toujours une question militaire qui était posée à l'avocat au ministère de la Différence, coordination avec les affaires étrangères, etc. C'est là qu'on en traitait. Sous le seuil, prise de contre-mesure, c'est une question du côté du Trésor, gérée par des acteurs économiques du gouvernement, pas par les acteurs militaires. Et voilà où ça devient flou dans le domaine de cyberespace, parce qu'on demande aux avocats qui sont habitués à travailler sur des enjeux particuliers et qui doivent traiter maintenant avec tout le droit international pour savoir comment réagir à une question sur l'autodéfense, sur comment réagir à une violation de la souveraineté. Il y a peut-être de faire du piratage de certains ordinateurs, quelques ordinateurs, à des choses à grande échelle. Alors vraiment, on peut être satisfait d'avoir cette démarcation entre les deux, mais je crois que on devra repenser tout cela à l'avenir. Donc voilà ma première réponse. Une des questions pour comment aller de l'avant, avec ce que j'ai dit plus tôt, je critiquais cette idée de lutte. Il y a une lutte, il y a des difficultés, on ne sait pas quelle forme ça prend. Peut-être qu'on a besoin de plus de temps et d'y travailler plus fort. Mais il y a toujours des questions qui restent sur lesquels on doit travailler. Un des éléments que je voulais proposer, une question qui est très importante pour moi, à laquelle on doit réponse, je l'ai dans mes notes, c'est la question qu'on doit déterminer qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'acteur international. Ça, pour moi, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'on parle de droit international ou est-ce qu'on parle de sous le seuil? We cannot really move forward with that on maybe the international community. Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec cela, parce que la communauté internationale ne sait pas exactement ce qu'elle veut atteindre et ce qu'on veut faire au palier international et comment réagir. Ce que le professeur Lubin faisait valoir est très important et peut-être qu'il y a une ligne rouge à tirer. Le droit tel qu'il existe ne fournit pas de réponse et donc il faut peut-être autre chose, mais d'abord, il faut prendre la décision, décider de l'orientation à suivre. Parce que si on continue d'avoir cette discussion de droit international par rapport au cyberespace, on ne pourra pas voir comment il s'applique. Ensuite, il faut identifier les questions. Je pense qu'une autre question qui était très intéressante dans la présentation du Dr. Watt est la question de l'attribution. Comme je l'ai dit au début, grâce aux catégories, on a une certaine réponse à l'attribution. Mais, par exemple, dans l'ouvrage que vous mentionnez au début, que j'ai mentionné au début, une des choses que j'ai mentionné, c'est le cas de l'Estonie, par exemple. Dans ce genre de situation, on a de multiples facteurs qui sont peut-être à l'origine, qui viennent peut-être à l'origine de l'État, mais pas nécessairement contrôlés par l'État. Donc, ce ne serait pas une catégorie d'attribution. Donc, le droit comme tel ne fournira pas de réponse. Et je serais contre parce que alors, je pense qu'on surappliquerait l'attribution. Mais c'est peut-être la question à laquelle il faut répondre. Quand l'attribution ne fonctionne pas, il faut voir si la situation telle qu'elle est différente. Et ce n'est pas une question d'espace cybernétique non plus. C'est une question au-delà du cyberespace où on voit des gens, par exemple, qui vont à l'étranger, par exemple la Russie en Ukraine, et qui se battent contre l'État, mais ils n'ont pas été envoyés par l'État, ils agissent de leur propre chef. Mais ça n'est pas quelque chose qui existe en droit international, je dirais. Parfait, merci, Dr. Watt. Donc oui, je pense que d'abord et avant tout, établir la distinction entre ce qui est au-dessus, en dessous du seuil est crucial. Un bon exemple de cela est la réponse
de certains Américains, officiels américains, dans le contexte de l'opération SolarWinds, où cette opération, ces opérations ont été taxées d'actes de guerre. En vertu d'une interprétation du droit international, ça n'est pas le cas. Donc, d'abord et avant tout, je pense qu'il faut une distinction claire entre ce qui est au-dessus et en dessous du seuil du recours à la force. Deuxièmement, je pense que dans les opérations en deçà du seuil, il faut une approche beaucoup plus nuancée que celle dont nous avons l'habitude. Donc, pensons, par exemple, aux opérations de collecte de renseignements de sécurité à l'intérieur du cyberespace. Normalement, on attache la notion d'espionnage à ces opérations. Mais depuis un certain temps, je suis convaincue que, encore une fois, même si cette nomenclature n'est pas mauvaise ou bonne, mais disons que pour l'avenir, pour essayer d'essayer en tant que communauté de comprendre ces notions, il faut légalement adopter une nomenclature, une taxonomie beaucoup plus nuancée par rapport à ces opérations. Donc, les activités de cyberespionnage ou de collecte de renseignements de sécurité exigent peut-être que l'on effectue une distinction entre les activités de cyberespionnage qui visent certains groupes, comme par exemple le projet Pégase, où les activités de cyberespace sont des activités qui, en fait, sont menées à plus grande échelle, où un grand nombre de personnes sont interceptées. Il y a aussi cette idée d'interception de masse des communications non définies et acceptées, en fait, par certains gouvernements en Europe et par certains tribunaux. Donc, en fait, tout cela doit être convenu. Et en fait, un autre élément, c'est comment classifions-nous les campagnes de gérance? S'agit-il d'actes d'espionnage? S'agit-il d'actes d'intervention par rapport à la souveraineté des États? S'agit-il d'actes de coercition qui obligent un État à faire certains choix qu'il ne souhaiterait pas nécessairement faire? Donc, ce qu'il faut, c'est une meilleure compréhension de la nature de ces opérations. Et il faut voir quel but serait servi. Est-ce que cela signifie que réglementer ce secteur serait plus facile? Honnêtement, je ne le sais pas. Donc, si je pense à la réglementation d'activités de surveillance, nous en discutons depuis 2015 en Europe et au sein des Nations Unies, et ces tentatives ont échoué. Et donc, je pense qu'il s'agit de voir comment, en tant qu'avocat, nous pouvons avoir une meilleure compréhension du phénomène pour adopter une nomenclature appropriée, surtout lorsque certains officiels passent à une attribution politique de certains actes à différentes fins. Et donc, est-ce que cela nous permettra de mieux réglementer ces activités? Je ne le sais pas, parce que à certains moments, ces tentatives ont été effectuées. Nous n'avons pas encore de traité de cybersécurité, nous n'avons pas de traité de cybersurveillance qui réglementerait les États et les agences étatiques. En fait, les États hésitent à faire réglementer tout cela. Et donc, établir une distinction entre ces différentes activités est très utile, mais nous ne pouvons pas aller plus loin en tant qu'avocat. Évidemment, le reste relève de la volonté des États d'assujettir leurs opérations ou ces opérations à toute forme de réglementation. Donc, je dirais oui, mais de la façon dont les choses évoluent, j'ai l'impression que le processus sera très graduel. De développement lent. Merci. Commentaire intéressant. Et qu'est-ce qui encouragerait les États à prendre ces mesures pour réglementer ces activités? Et s'il y a quelque chose
des activités qui s'y prêteraient. En fait, on pense aux grandes guerres. Évidemment, c'est quelque chose qui encourage les États à agir. Mais quand on parle d'espionnage, de cyberactivité, y a-t-il quelque chose qui encouragerait fortement les États à réglementer le secteur? Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup à vous tous de cette formidable conversation. J'espère que nous avons donné le temps pour le prochain panel. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci au Dr West et merci à ce magnifique panel d'avoir été des nôtres, de l'étranger. Très, très bonne matière à réflexion. C'est la fin du premier panel. Nous passerons à l'autre dans 15 minutes. C'est la pause. Veuillez aller vous servir. Il y a de la nourriture et des boissons. Les trois prochains panélistes nous viennent aussi de l'étranger, d'Europe et une personne des États-Unis. Donc, merci beaucoup. Nous reprenons dans 15 minutes pour ceux qui sont en ligne. Merci.